Salut! Bienvenue sur le vlog. Douce. Ouais. Hey, la mémoire. Demi-teinte croquée. Je suis Pixie. Je suis Fanny. Puis, qu'est-ce que tu viens de lancer à quel chat? Je viens de lancer un cartable à Léo parce qu'il est en train de se battre avec Fluff. Pauvre petit hibou. Ouais. Elle est toute chill dans l'arbre à chat, puis Léo, il va la déranger. Je dirais rien la dernière fois, c'est moi qui faisais ça, là. Ouais. Assez intense. Mais j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. J'ai recommencé à travailler ça fait une semaine. J'ai mal dans les jambes. C'est intense. Un matin, j'avais full de misère à marcher. Oh, shit. Ok, ouais. Mais tu sais, là, c'est en travaillant toute la semaine, j'ai pas tout le temps fait mes exercices pour la fascite. Là, ma fascite. Ouais. Fait que ça l'aide pas, là, parce que ça fait vraiment mal en ce moment. Puis, mais j'ai mal dans les muscles des cuisses. Oh. Ouais. Mais ça va aller. Cool. Je vais aller faire réparer mon vélo. Fait que je vais en plus commencer à faire du vélo. Ça va être un peu plus pire après. Puis ça va revenir. Ouais. C'est ça. Toi? Oui, ça va. Il ne se passe pas grand-chose, comme d'habitude. D'accord. Du tricot, de la couture, puis pas grand-chose. Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'on va faire la pub pour... Ma poche est encore dans le fond. Je suis vendue à ce genre de tasse de... Ah, toi aussi, t'as une tasse d'Infinity. Ben oui, c'est toi qui me l'avais acheté. Avec des flamants roses dessus. Robin, elle nous a fourni un thé qui s'est glacé. Et fraise kiwi. Vraiment bon. Il est très bon, pas trop sucré. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je le ferai un peu plus concentré. Moi aussi, ouais. Je trouve qu'il est trop dilué. Peut-être que j'aurais dû mettre moins de glace. Ouais, ou mettre le double de thé. Le faire vraiment comme intense. Ouais. Mais ça, si j'aurais fait ça, t'en aurais pas eu. Oh non! Bon, ben je suis contente de l'avoir comme ça. Parce qu'elle m'a juste donné deux sachets. Oh! Mais il est bon, je trouve qu'il goûte plus la fraise que le kiwi. Ouais, effectivement. Et on va vous mettre les détails du thé sur le lien Ravelry de la discussion. Ouais, toutes les notes vont être sur Ravelry. J'adore faire ça. Puis, moi, tu vois, mon chat, il est couché sur la table. Quand on s'approche de lui, il nous attaque. Chicha? Oui. Oh boy! Il est là comme un pacha, là, full comme un sphinx, là, plutôt, là, tu sais, les bras droits, là, puis il est comme... Bon. Quand quelqu'un s'approchait tantôt. C'est le maître du royaume. Il miaulait tellement, là. À matin, je fais juste le prendre, il marche. Je fais juste le prendre, il m'a miaulé. Hey boy. Je dis, OK, il veut pas se faire gosser, mais il est gossant. Bon. Choose. Cats. Ouais, cats. Fait que, on commence par les acquisitions, achats. Est-ce que tu peux commencer? J'ai oublié quelque chose. D'accord. Fait que, finalement, j'ai réussi à me procurer des laines Cat Sandwich Fiber. J'en ai trois pelotes, mais j'en ai une que je me garde pour ma fête, fait que je ne vous la montrerai pas tout de suite. Puis, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal les deux, sauf qu'il y en a une qui est plus bleue puis l'autre est plus rose. Fait que ça, c'est Cat Sandwich Fiber. J'adore son logo. Ça, c'est en decay. Puis, c'est la Chibi Yuza. Fait que elle est magnifique. Comme ça. Elle a vraiment des beaux spéculs. C'est fou.
Puis après ça, j'ai la princesse Bonnivelle qui, elle, est vraiment plus bleutée. Wow! Mais ça ressemble beaucoup, par exemple. Ouais, énormément, là. C'est, elle est plus bleue, puis elle est plus rose. Mais ça, c'est le bleu, il est plus flash sur un, puis l'autre, le rose est plus flash. Ouais. Puis, ben, celle que je vais avoir à ma fête, que je vais me donner à ma fête, c'est vraiment belle aussi. Okay. C'est une de ses Sailor Moon collection. Oh! C'est Neptune ou Uranus que j'ai pris? Je sais plus. Et comme dorée puis verdâtre. Elle est vraiment belle. Ils sont tout le temps ensemble de toute façon. Ouais. Verdâtre, ça devrait être... Il me semble que c'est Uranus qui est vert. Il me semble que oui, mais... Non. Uranus, c'est pas comme bleu mauve. Anyway, c'est une de ces deux-là. Après Saturne, tu me perds un peu. Ouais. Mais moi, je me rappelle de Sailor Moon, là, c'est bien. Bon. Moi, j'ai acheté de la Patton Croy. Qui avait un rabais sur Marie-Maxime. Fait que j'ai acheté 3 pelotes de chaque couleur. Ici, c'est Jacques Cor Ardoise. Mm. On le voit un peu, là. C'est gris et noir, là. C'est pas, OK. Il n'y a pas de couleur, c'est vraiment gris et noir. Ouais. Celle-là, c'est rayure tourmaline. Il y a du gris vert, gris mauve, gris. On voit bien, là. C'est la bonne intonation. Ouais. Okay. Celle-là, c'est rayure du printemps. Il y a du vert flash dedans, sinon c'est gris et noir. Ouh. Gazon sur l'asphalte. Ouais. ça, c'est près d'éclipse. Et encore une fois, gris et noir. Mais plus gris foncé que l'autre. Ouh. Et ici, c'est copper. Et belle, elle aussi. Fait que les 5, c'est pour faire des bas. Mon copain. Puis là, les chats se pitchent dessus. Non. OK. Ben, moi, j'ai pu avoir la boîte de juillet de Pure Laine, ce mois-ci. Fait que c'était. Ils donnaient le petit extra, c'était comme une espèce de savon, que c'est des feuilles que tu peux transporter dans ta poche. Puis c'est. Tu les utilises, puis tu te laves les mains, puis qui sentait la menthe. Puis, la laine, c'est un mélange de bambou, polyacrylique, viscose de bambou, puis du polyester. Puis c'est une compagnie allemande. Ça s'appelle Flotte Socke. Sock, en tout cas, whatever. Ça. Puis, la couleur, c'est 14-20. Puis, ça va donner une espèce de kiwi. Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble à un kiwi. Ouais, c'est pas mal. Je trouve aussi. Ça va être awesome! T'as-tu encore bien des affaires? Ben, on peut montrer Colorista, là, les deux, on en a. Ouais. Fait que j'ai acheté de la basique pour les notes. Celle-là, c'est Fantasia. C'est un mélange de bleu, rose, vert, jaune. Un peu toutes les couleurs. Moi, j'ai la glacée. Elle est vraiment belle. Mm-hmm. C'est un maudit beau bleu. Celle-ci, c'est crépuscule. Oh, on ne voit pas partout. Ah, là. Ouais. C'est comme cuivré, vert cuivré, genre. Moi, j'ai Into the Woods. C'est un vert forêt.
Puis si aussi elle l'a. C'est encore en basic sock. C'est un vert forêt, mais il y a un... C'est pas tout le même vert, là. Il y a des spots plus clairs, des spots plus foncés. Comme ici, là, il y a des spots plus clairs. Elle est encore vraiment magnifique. Ici, c'est clairière. Et un vert pâle avec des touches de jaune. Vert jaune, genre. Moi, j'ai Fusion Chai Latte. Ici aussi. Elle est tellement belle, là, sérieux. Là. Je pense que j'ai un crush sur qu'est-ce qui est cuivre en ce moment. Je pense que oui, ça ferait du sens. Toutes les fleurs qui sont belles, c'est dans ces couleurs-là en ce moment. Vraiment magnifique. Sérieux, là, Geneviève, le coloriste, elle a fait de la veste. Elle fait vraiment belle laine. T'en as une dernière? Non. OK. Bon, ben moi, j'ai la satine de la collection BFL. Si vous vous rappelez, j'en avais acheté une mini avec un kit pour faire les bas en thésis. Mais là, ça va être pour faire un nouveau design. C'est ça. OK. Moi, il me reste juillet puis mes pins. OK. Moi, j'en ai encore un petit peu. Vas-y, tu me diras quand je peux ouvrir juillet. D'accord. Les Grossy Girls, ils ont fait une collection avec Hello Stella Fibers. Puis c'était pour Black Lives Matter. Fait que elle est awesome. Wow! Et tous les profits passés. Tous les profits allaient à Black Lives Matter. Je te l'ai envoyé le lien, mais elle était quand même dispendieuse. Bah, elle doit pas avoir. Qui est dans mon œil à ce moment. Non. Elle est vraiment plus belle en vrai que qu'est-ce qu'elle est en photo. Ouais. Moi, je l'avais pris parce qu'elle a du fluo, puis moi, je suis dans une passe fluo. Là. Puis ça, elle a deux mini chevaux. Puis ce que j'aime, le rose, c'est qu'il y a des petits speckles de jaune fluo dedans. Vous voyez peut-être un petit peu. Là. On ne voit pas de speckles. Moi, en tout cas, je les vois des pas. Des spots, genre. Mais il y a des spots. Oui, ouais, ce n'est pas des speckles, c'est des spots. Puis elle est vraiment super douce. Hein? Puis ça s'appelle Grossy Girls Sock Set. Mais je ne crois qu'elle n'est plus disponible. Ça s'est tout vendu. Ça m'étonne pas. Après ça, de maille en bas, elle avait sorti un kit avec, je ne me rappelle plus son nom, avec quelqu'un qui faisait des sacs. Puis, des poissons, là? Ouais. Pour les bas poissons, les bas archipel. Ouais. Puis il y avait un sac qui venait avec. Que, ça, c'est les échevaux. Beau. Moi, là, ces deux couleurs-là ensemble, là, sérieux, je trouve ça super beau. C'est des saquettes, sac, c'est pas des sacs. Ouais, c'est des saquettes. Puis le sac, il est comme ça à l'extérieur. C'est un peu un sac à lunch, que tu ouvres comme ça. Puis à l'intérieur, c'est ça. C'est teint à la main, là, comme un... Comme un poisson. Ouais. Il est vraiment beau, sérieux. J'ai jamais eu un sac de ce format-là, fait que c'est intéressant à voir. Fait que tu peux ouvrir ton mois de juillet. Je me rappelle... Ah, oui, OK. De la bisque. Édition spéciale. Qui est rose. Ouais. Avec des spicules. Puis il y a du mauve foncé. Puis il vient avec ça un. Ok. De Windy, ici. Ouais. Ici, on voit pas du tout que Fanny est complètement à trop à Windy. Pas ça. Puis j'ai eu le droit à un lama de laine. Yep. Ah! C'est rose parce que c'est relié au fait qu'on est dans Marquis. Ouais. Évidemment, au mois de juillet, on est à Mississauga pour le séminaire annuel.
C'est un lien virtuel, mais... Ouais. Donc, on ne sera pas là-bas, on va être à la maison. Puis, j'ai acheté... moi, je me suis inscrite dans... Ben, je me suis inscrite. On peut s'inscrire à tout moment, là. Mais je suis... On suit beaucoup Crazy Sock Lady. Puis, elle a le Summer Sock Camp. J'ai acheté la pin. Qui va aller sur mon sac à bas. Puis, j'ai acheté deux pins de ces Crazy Sunday, Crappy Sunday, une qui est mauve et l'autre qui est rose, qui s'en va à Fanny. Yay! Puis, moi, la mienne va aller sur le sac de ma Cozy Blink. Ah, ben oui. Ma Cozyest Memory Blink. Ouais. Moi, j'avais commandé de Tough Woolen. Je voulais essayer voir ce que c'était. Puis, ils font des savons à laine. Celui-là, il est à la lavande. Vous le voyez sûrement pas. Il sent vraiment super bon. Puis, ce qu'ils font aussi, ils font des baumes à main en forme de petits bâtons désodorisants. Puis, sérieux, là, j'aime ça parce que c'est pas gras après sous ta peau, comme beaucoup de baumes font. Fait que j'ai lavande et pomme. Ça sent pas. Puis, miel et lavande. Miel et lavande. Ouais. C'est vraiment super bon. Puis, ah ben, je sais pas. Je vais montrer la prochaine fois. D'accord. J'ai reçu des marqueurs que j'ai achetés de Lac and Lou. OK. Ah, puis, les oiseaux. Ouais, les oiseaux, puis les fleurs, puis le petit pot de champignons, là. Sérieux, allez voir sa boutique, là, c'est vraiment magnifique, qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment plus petit que qu'est-ce que ça paraît. Hein. Je vais mettre son nom en dessous. Pour être OK. Puis, non, elle est super sympathique aussi, là, comme on communique sur Instagram, puis elle est vraiment gentille, là. Nice. Mais le pot de champignons, là, il est... Ouais. J'ai fini de me le faire voler. Non. Par toi? Ah, ben non! Non, je vais faire des petits yeux doux, là, c'est ça. Moi, c'est tout pour mes accusations. Accusations. Acquisitions. C'est beau m'accuser, c'est correct. C'est comme, je me sens coupable d'avoir racheté autant, fait que je m'accuse. Fait que, ouais, moi aussi. J'en ai d'autres dans la malle. Qui s'en viennent. Puis là, il faut que j'arrête d'en acheter parce que je pars des projets pour utiliser la laine, mais j'ai pas le temps d'être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un problème qu'on a. Fait qu'on passe au cours. D'accord. Fait que les en cours que vous connaissez. J'avais commencé mes départs. J'en ai un de fait. Je suis en train de faire le deuxième. Tu l'avais-tu défait finalement? Non, je ne l'ai pas encore défait parce que je vais faire le deuxième. Là, c'est que je me rends compte que avec en tirant sur le bas, parce que le bas ne me passe pas le talon. C'est qu'ici, il est vraiment plus lousse qu'ici. Fait qu'ici, j'ai vraiment serré plus la tension. Fait que d'après moi, si je le défais juste au talon, je devrais être capable de le refaire, mais plus lâche. Okay. Fait que ça, c'est le déter que moi, j'ai fait juste en deux couleurs. Fait que la couleur aubergine, qui est le mauve, la couleur, ça va bien aller, de maille en bas, en base robuste. Fait que mon bas sent le mouton. Ça me donne vraiment le goût de m'en faire un autre comme le tien. Les mêmes couleurs, c'est tellement beau. Puis le deuxième bas, il est à cette hauteur-là. Je m'en viens dans, pour ceux qui ont déjà vu le patron, là, je rentre dans la section et une dizaine de rangs, juste les deux alternés du temps. Ça, c'est un des bas que je traîne avec moi. Là. Je faisais comme 5-6 rangs par jour avec mon super
marqueur beigne. J'aime tout plein. Parce que le beigne, il est brillant. Oui. Awesome. Puis, j'ai même acheté des Yaya 2.75, parce que comment j'ai fait en 2.5, mais bon, pour être sûr et certain que si j'ai un problème, genre, je les fasse avec les 2.75, au lieu de les faire avec les 2.5, je vais en profiter pour mettre ma nouvelle pile sur mon sac à dos. Moi, je suis encore en train de... J'ai pas travaillé full sur ma COVID memory. J'ai pas travaillé du tout sur le char de Maribor. J'ai pas travaillé du tout sur le professeur Miao. Mais je suis en train de travailler sur les bas de Sandy. Ah, c'est vraiment beau avec la couleur et tout ça. Là. Je l'ai mis sur une tasse pour remplacer la tasse. Fait que... J'avais envie de faire des bas, puis là, Pixie m'a dit « Fais au moins deux rangs dessus les bas de Haunted, de Cousinator. » Fait que j'étais juste ici, puis j'ai tout fait ça. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais ici. Peut-être vous voyez un des oiseaux de... Ouais. C'est un carouge à épaulettes. Ou, comme ma soeur et moi, on les appelle. Hein? Le nom de la fille? Lac and Lou. L-A-C-H-L-O-U. Fait que ma soeur, on les appelle les épaulés. Oh mon Dieu. Fait qu'ils sont vraiment cute, là. Ils sont minuscules, puis sérieux, là. Elle a beaucoup de talent. Elle les fait comme en forme de polymère, puis après ça, elle les peint à la main. OK. Fait que c'est un petit peu plus différent que ce que les autres qui, certaines font. Ils font avec la polymère de couleur. Mais elle va le peindre après. Il y a un effet laqué dessus. Ouais. Moi, j'ai travaillé sur les bas à mon garçon. Ils sont jolis. Fait que finalement, il y a une différence de 5 rangs pour les couleurs. OK. T'es-tu correct avec ça? C'est pour mon gars, on s'en fout. OK. Donc, je pense que je vais faire encore un 2 cm, puis je vais commencer les talons. Je vais lui faire des talons à gousser. OK. Cool. Fait que dans mon mini bag, ma tasse slip. Moi, j'ai plus d'encore. Oh, OK. Moi, j'ai encore. Okay. Fait que moi, j'ai travaillé à tous les matins sur ma cosies blanquette. D'ailleurs, ça peut sortir pour toi. Puis, fait que le matin au travail, la première chose que je fais après avoir ouvert mon poste de travail parce que je suis la première qui travaille au doc, je m'installe et je fais un carré. Fait que la dernière fois, est-ce que j'avais montré ces trois-là? Non. C'est les trois laines que j'ai échangées pour de la casa. Fait que moi, je offrais de la casa et la... Ben, oh, ouais, on en a parlé. Marie me donnait ces trois-là. Oui, tu avais parlé de la laine, mais tu les avais pas fait tes carrés. Ah, OK. Fait que ici, c'est le vert, jaune, bleu. Ici, c'est de la Harfield. Je ne me souviens pas de la couleur. Là. C'est un peu chamoiré. Là. Je la trouvais vraiment belle. Puis, le bleu. Puis là, avec tous les problèmes qu'on a eu à la maison, il y a un châle qui a passé au lavage. Un de l'adore. Et qui a été cassé. Fait qu'il a fallu que je le fasse au complet. Fait qu'on a son carré memory quand même. Fait que c'est de la One Ply. Je ne me souviens pas de la compagnie présentement. Ça va être écrit dans les notes. C'est pas Riverside? Je me souviens vraiment pas. La brune, j'avais pas acheté une pelote au complet. C'était un restant de pelote que j'ai acheté à quelqu'un. Puis le châle était principalement le genre de brun aussi café. Il y avait une... Il y avait le châle, une ligne... Brun foncé,
puis la dentelle qui était revenue dans le bol. Sinon, ici, on a la... voyons. La cosinitor, couleur Shadow House, qui a été servie pour faire les bas de mes enfants en patron héritage. Ici, on a de la Coco Chanel, qui est le noir, et la Healthy Toy and Trouble, qui est un weed de Toy and Trouble. Voilà. Fait que je suis en train de faire un châle sur ça. J'ai essayé de faire un genre de mix. J'ai pensé à plus. Vraiment belle. J'aurais pu faire un rayé différent. Puis, bon. Ici, on a de la biscotte Félix Kiwi. Et on a de la Cosinator. Non, c'est la Scrunchies Pearl. La Scrunchies Pearl, c'est vrai. Qui était la couleur contraste que Fanny a pour ses bas. Tiny Dancer. Oui, c'est moi qui ai la contraste présentement parce qu'elle a terminé ses bas. Puis ça, c'est la rangée des Stellina. Ouais. Ici, quand j'arrive à ceux-là, ce n'est que du Stellina qui va avoir lieu. OK. Ah, j'en ai fait beaucoup. Oui, t'avances très bien. Moi, j'en ai trois carrés. On va continuer ça cette semaine. Puis là, il y a une journée cette semaine, j'avais voulu tricoter des bas. Mes sacs étaient dans le dos. J'ai reparti un bas. Fait que j'ai parti avec la douce folie en robuste de maille en bas. Mon bas, mon patron de héritage pour moi-même. Fait que ici, j'ai fait le début avec la Joanne bleue. Là. Je ne sais pas le nom de la compagnie. Again. Ah, oh, c'est la Perca Merino Fine de Estelle. C'est ça. Wow! Bravo, Fanny. Tu m'impressionnes. Fait que j'ai fait les premiers rangs ici. Ben, les premiers rangs. Le premier rang en bleu. Là, je suis en train de faire la cheville. Puis, je pense qu'il me restait 10 rangs avant de faire le talon qui va être bleu. Fait que le dessus va être bleu, puis le dessus du pied va être comme ça. Ah, oh, ça va être beau. Fait que, puis je l'ai fait sur des doubles pointes, des mini doubles pointes. J'aime pas les grandes doubles pointes. Pour faire des boules, je trouve ça encombrant. Parce que dans le Summer Camp, les FO sont séparés par technique. Fait que soit que tu l'as fait une mini circulaire, des double pointes, en magic loop et autres. Fait que s'il y a une autre méthode que vous utilisez, comme les trois aiguilles avec un mini-fil à l'intérieur, là, je me souviens, non, ça rentre dans le autre. Je pense que ceux en crochet aussi, ça rentre dans le autre. Ah, ouais. Fait que c'est mon projet à côté d'ordinateur. Je ne bouge pas de là. J'ai même pas la palette bleue là-dedans. C'est mon projet qui est l'autre côté. Sinon, ici, je vais enlever la momousse. Ouais, je suis full curieuse. Hein? Oups. Et ceci qui est terminé. The fuck, Fluff? Attendez. Wow! Hibou, je l'ai un hibou. Ouais. Fait que, c'est soit un bras ou un jambe. Parce qu'ils vont être la même grandeur. Je suis en train de faire un autre hibou. Oui, j'ai été acheter le patron voodoo. Puis, on devine qu'avec ces couleurs-là, c'est pour quelqu'un de précis. C'est pourquoi? Ouais. C'est pour ma fille. Parce que dans les objets finis, je vais vous en montrer un autre que j'ai failli me faire voler. Par toi, par mon gars, par ma fille. C'est fait, non, c'est la voiture qui va l'avoir. Fait que je suis en train de... Je vais leur faire chacun une vidéo de plats différents. Oh. Fait que mon dernier info que j'ai travaillé dessus... Ton dernier whip? Oui, tu sais. Excusez. 2 lettres de différence. Fait que la dernière fois, je t'avais fait ici.
J'ai fait tout ça. J'ai commencé dans le blanc. J'ai pas encore raconté en blanc. Là. Et le sac pour la dame qui s'occupait de Lily, un service de garde. J'ai passé. Je traîne la laine. Right. Ça, j'avais un petit peu de misère cette semaine à travailler là-dessus. Ça me faisait mal les mains. Puis... Ouais, ben, le crochet, c'est des muscles différents. Là, fait que... J'avais pas. Je changeais quand même ma technique, genre de comment je tenais le crochet pour pas que ça me fasse plus ou moins mal. Là. Puis, mon Dieu, que le crochet, c'est pas mon affaire préférée. Ça va être cool, cool. À côté de mon laneur. Awesome. Bon, c'est bon, je pense que les autres. Ça a pas bougé. Dans mon sac à côté de moi. Mais je pense que mes autres n'ont pas été travaillés. Non, je veux dire. Fait qu'on peut aller où est-ce qu'on? T'en as combien? C'est que... 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. J'ai fait des tiny projets. Fait que c'est allé plus vite. Fait que je vais montrer celui-ci en premier. Oui! Et pour Fanny, elle m'a commandé un fuzzy. Il est full beau. 100 grammes. Je n'ai pas mis sur les miens pour tester s'il fonctionnait. Fait que je vais faire. Puis je vais mettre tapine dedans après. Yay! Comme ça va être juste un truc à prendre. C'est vraiment ça. Fait qu'il est fait en bonnie foufou de Cousinette. Ouais. Puis j'ai fait un autre de... Cool. Qui est fait avec la Harfield rouge. Puis ouais, t'étais en train de le faire la dernière fois, celle-là. Ouais. Puis je voulais le faire avec pas de trou en dessous. Puis non, fiez-vous, patron. C'est censé être un 20 grammes. C'est un 50 grammes grand. Ouais. Fait que, my bad. Moi, j'ai fait du crochet. Vas-y, mon petit crochet. De Lily Lala, c'est... Lali Peter Lala. De... Lali Lala, OK. C'est Peter Toadstool. OK. Oui, c'est ce petit bonhomme-là, c'est un champignon. Puis, j'aime en maudit la personne à qui je vais le donner. Mais elle les a commandés. Ouais, elle dit, oh, tu sais, j'aimerais vraiment ça, avoir ça comme décoration de Noël pour ma fête, genre, donne-moi ça, tu sais. OK. Là, je commence, je suis comme, oh, maudit que j'ai sacré là-dedans. J'étais comme, en parlant de décoration de Noël, je me suis fait un taille-bas. Oh my God! Full cute! Je sais pas si on voit bien les couleurs, là. Ouais. Je me suis pas fiée à aucun patron, là. Fait que je l'ai vraiment fait comme par moi-même. Puis, tu sais, il est pas parfait dans son design. Je le trouve cute. Il est fait en arc-en-ciel pour faire un appel de ceux-là. Là. Oh. J'ai mis un petit peu de bourrure dedans parce que sinon il était vraiment trop squish. Okay. Fait que sinon j'ai fini mes barres arc-en-ciel. Là. Ils sont tellement beaux. Avec le talon Welsh. Christine des arts textiles, elle a recommencé. Là. Elle est revenue de vacances. Ouais. Faut que j'y demande pour la pelote de chasse. Ouais. C'est fait à chasse. La fête à chasse. Qui est absolument gorgeous. Moi aussi, je veux en recommander une. Fait que si tu parles avant moi, je veux une pelote. Puis, je vais faire des bas à mon chum dans le Orange Flash parce que c'est une des couleurs de leur compagnie. Awesome. Moi aussi, j'ai fait des bas. Mes Tiny Dancer.
sont terminés. Ils sont awesome. Ils bling. Oui, et puis ils bling dorés. Ouais. Et, sérieux, là, je les ai mis dans mes pieds, puis j'étais comme, je vais jamais vous enlever. C'est awesome. Mais il faut que tu les enlèves, tu les mets dans ta boîte à beurre. Ouais. C'est ça. Fait que moi, il y en reste juste deux. Moi aussi. Qui sont pas bloqués. J'ai fait un cornet crème glacée. Je n'aime pas le rendu. Le cornet est comme trop grand pour la grosseur de la boule. Ouais. T'as été cheap dans ta crème glacée. Ouais. Mais ma fille, elle aime bien. Fait que t'as fait, c'est clair. Bon, si elle, elle l'aime, c'est ça qu'il faut. Fait que dans ma liste de cadeaux de Noël, j'avais à faire des cols pour mes parents. Fait que là, il n'est pas bloqué. Fait que là, j'ai fait ça pour mon père. Ah, tu l'as fini? Ouais. C'était avec de la laine de Knit Crate Uru, Uru Yarn, puis de la Haiku. Je sais que la couleur comme de la laine de Knit Pick. Pas notre pic, Knit Crate. Sa couleur, ça s'appelle Silence. Puis Haiku, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai juste nuage dans la tête, mais je ne sais pas ouais, si c'est ça. Oui, il me semble que oui. Il me semble que c'était ciel ou quelque chose comme ça. Oui, c'est qu'elle a un léger fluff. Puis la laine de Knit Crate là, est vraiment super douce, celle-là. C'est la single, là, puis elle était débile. C'est ça. Moi, mon dernier projet fini que tout le monde a voulu me voler. Il est tellement cute! Il s'appelle Patch. C'est mon make-nine. Il est so mini, contrairement à ce que je pensais qu'il aurait été. Il est tellement cute! Fait qu'il est fait avec de la fingering de Cactus Yarn. Ici, c'est Perido. Ici, c'est Cornaline, si je ne me trompe pas. Ici, c'est un restant de laine. C'est un restant de tissu. J'ai mis des yeux plus gros que ce qu'elle met sur le patron. Il est tellement beau. Fait qu'il s'en va à mon rétroviseur. Je vais tout enlever les autres affaires. Puis il s'en va à mon rétroviseur. C'est pour ça qu'il y a la corde noire. Danser. Puis, moi, j'ai fini mon Snuggle Israel. Il est tellement beau. Je l'ai porté. Il a fallu chaud. Ouais, il va être vraiment confort, là. À cause que je l'ai essayé, puis que j'ai trouvé ça awesome, je vais s'acheter le patron. Puis, je vais le faire dans ma. Filamé bleu que j'ai gagné. Et à l'intérieur, je vais mettre sûrement de quoi de moins chaud, là, elle a mis du noir. Ouais. Je vais sûrement mettre juste un double fil de mermaid, là, qui est vraiment pas le nom en tête, là, qui est un. De dentelle. Ouais, un fil de dentelle. Là. C'est Foxtrail Fiber, je pense. Je pense aussi, ouais, ça make sense. Ouais. Puis moi, le high-cord, j'ai eu de l'aide parce que c'est ce qu'était Spidey high-cord. C'est long, puis c'est plat. Un high-cord de 4, hein? Non. Un high-cord à 3. Attends. Moi, c'est à 3. OK. Parce qu'à 4, on s'entend, c'est une maille de plus. Ça paraît encore plus long. Oh my God. Mais moi, je vais cheater là-dessus. Puis dans mon packaging que j'ai eu du Fiber Share, il y avait un i-cord qui attachait ma boîte. C'est ce que je vais utiliser. C'est une bonne parce que ça fait là. Moi, ma coloc Myriam s'est découvert une passion pour un i-cord. Je suis comme, vas-y, lâche-toi loose. La prochaine fois que j'ai des i-cords à faire, je sais à qui parler. Ouais. C'est ça. C'est tout.
Moi aussi, c'est tout. D'accord. J'ai pas joué à Chicken Yarn. Moi, j'ai joué à Chicken Yarn. C'est pourquoi? Ah, pour le col. Puis j'ai perdu. Mais ça paraît pas. Ouais. Il t'a manqué de nuages? Ouais, c'est ça. Il m'a manqué de nuages, fait que j'ai fini, mais ça paraît même pas. Oh, j'ai pas rentré mon fil. Oh, Fanny a pas rentré son fil! Je me rappelle plus. Ouais, ça paraît même pas. Là. C'est déjà comme l'autre était fluffy. Fait que... Okay. Ouais. Il va bientôt avoir l'ouverture de notre site web. On va vendre des kits pour les bas Spring Nom. Il va avoir comme un sac dedans, un marqueur, ben deux marqueurs, puis la laine de coloriste. J'ai bien hâte. Ça s'en vient sous peu. Regardez sur Instagram, là, ça va être indiqué là, quand est-ce que ça va arriver. C'est tout. Ça a été court, hein? On dirait que ça a été court. Oui, ben, on a tellement parlé pour rien la dernière fois que je ne veux pas le faire. Ça, on pourra parler sur les snakes. Bon. Il est 9h15 présentement du matin. Puis les petits monstres se réveillent. Ben, mes petits monstres sont debout depuis avant mon chum. Oh, OK. Ouais. Puis il écoutait la télé tantôt avant qu'on commence à filmer. Là, mon chum les a installés dans la cuisine avec leur pad pour qu'ils fassent de bruit pendant qu'on tournait parce qu'il fallait qu'il y ait à l'épicerie. Parce que tantôt, on va être en game. Puis je pense que la game commence à... Oh, d'accord. Fait qu'on va se quitter. Oui, on va se quitter pour que je puisse commencer à transférer la vidéo dans mon ordinateur. Dans la game, je vais le faire. Je veux dire, merci beaucoup à vous qui avez regardé. S'il vous plaît, suivez-nous sur YouTube. Laissez des commentaires, on aime ça entendre de vos commentaires. Puis, c'est ça. Puis, partagez la vidéo, faites attention à vous. Oui. Et communiquez avec nous, on aime ça vous parler, même si on ne vous connaît pas. On aimerait vous connaître plus, savoir qui nous suit. Merci, à la prochaine. Bye bye. C'est vrai, c'est moi qui arrête, hein? Ouais. Oh, c'est fou, je fasse. Bye.